السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا في فيديو جديد اللي غادي نقدموه avec le duo le thermomix et le thermomix friend. دونك لا ريسيت ديال اليوم اختاريتها من كوكيدو. j'ai déjà enregistré la recette sur ma semaine. Elle est là. Donc boulette de viande hachée à la sauce tomate. بالنسبة les ingrédients هما وجدتهم عندي. Par contre عندي البطاطا ما منقياش. Donc غادي نقيها ونوجد لي بريباراتيف وعاد نبدا لا ريسيت. على بركة الله. Je vais insérer mon éplucheur. Voilà. Avant, je dois peser. C'est bon, 800 grammes. Je vais mettre de l'eau, 600 grammes. بطاطا صغيرة دونك نشوف يمكن 4 مينوت بزاف عليها. جو بونس بركة مزيانة. صافي دابا شللت البطاطا وقسمتها باش نوجدها بولا بوغي. دونك بان ليا في لا غوسيت اوسي غادي يطلبو مني طوماط كونكاسي. غادي نحاول نوجدها. دونك جو في لا كونكاسي مانويلمون فيتيس 6. سي سكوند فيتيس 6. بونس لو ريزولتا مزيان ساتيسفيزون. اوكي كونكاسي. دابا عاد نرجعو لا غوسيت ديالنا. دونك اون فا كومونسي. بلاصي ان بوتي ريسيبون سوغ لو كوفر دو بول دو ميكساج دو ثيرموميكس. انا جو لي ديجا بوزي دونك غديرو بحال هكا وتعبرو لو بان ديالكم. انا راه جو لي ديجا بوزي. هذا خبز ديال الدار. غنزيد عليه بولي 160 grammes d'eau ou là le lait, je préfère de lait. C'est bon. Réservé tout en laissant 30 ans. Donc on va le laisser là. Il شرب الخبز ديالنا يشرب الحليب. On continue notre recette. Donc, on a les branches de persil. On a la mouche d'avant déjà couché le sol. On a suivant. Deux gousses d'ail facultatif. Ma brichine dira un à débat. 100 grammes d'oignons. Donc, je vais mettre les oignons. Je vais mettre 100 grammes. C'est bon. Donc on ferme. Encore.
on tourne sur la vitesse 6 pendant 4 secondes. C'est bon, donc on va racler les parois. Donc voilà. On continue notre recette. Presser le pain ramolli. Donc on va prendre le pain. On va le presser, on va extraire carrément le lait et je vais le mettre dans le bol. Donc voilà, on a sorti le pain pressé, on va l'ajouter dans le bol. Suivant, 800 g viande de bœuf. Déjà, je n'ai pas toute la recette ni pour les pommes de terre ni pour les tomates. Donc, suivant, on va ajouter les œufs. Donc, on dit que c'est un peu de l'idée. Ça va être un peu de l'idée. On va super, prochaine tienne. Voilà. Je continue la recette. La repasse. Des cuillères à soupe. Moi, je mets que des cuillères à café. C'est bon. Le sel. Une grande cuillère suffisante. Quelqu'un voulait comme le sel et le sucre, c'est question de choix. Demi-cuillère de petite cuillère de poivre. C'est bon, on va insérer le couvercle et la spatule comme ça, donc 25 secondes sur vitesse 5. Bien sûr, on va mélanger. Voilà le résultat. On va transverser dans un bol. Donc ça va, je vais mettre le bol. Vous pouvez modifier un peu la recette, c'est pas méchant. Voilà, on va mettre au réfrigérateur. Donc, comme la recette d'Yana, d'abord, elle a été blina tchouma, 2 gousses d'ail, suivant, 200 g d'oignons, donc, on va dire, je vais couper en deux. On va dire, huile d'olive. 30 grammes. Suivant, donc on met le couvercle et le gobelet doseur. Suivant, 5 secondes, vitesse 5 pour hacher l'ail et l'oignon. Laissez le gobelet 2 heures. Donc 3 minutes, 120 degrés, vitesse 1.
on va ajouter les tomates concassées en conserve. On a rassemblé ça fraîche. Les herbes de province sont riches, donc je ne vais pas les mettre. Le sel, des 3 cuillères. Je trouve que c'est beaucoup, donc une seule cuillère ou là, une et demie. On dirait qu'on a la moitié de ce qu'ils ont demandé. Poivre moulu, juste la moitié. Bien mélanger avec la spatule. Donc on va bien mélanger. Je tape pas. Retirez le bol du mixage du Thermomix et réservez dans le Thermomix Friend. Donc j'enlève le bol Müller Friend. Et je mets mon bol, les tomates. Insérez le deuxième bol du mixage dans le Thermomix. Voilà. Mettre dans le bol de mixage les pommes de terre. Couper en dés. Donc, 1000 grammes. Je vais mettre le sel, une cuillère. On met le lait. J'ai diminué la quantité des pommes de terre. Je vais mettre le couvercle sans le gobelet d'odeur. Donc 35 minutes. 95 degrés, sens inverse, vitesse 1. C'est ce qu'on va faire. Graisser le varoma et le plateau varoma. Et puis on va mettre les boulettes de viande. Donc voilà. Donc voilà, on a deux étages de viande. Je continue ma recette. Placez le varoma sur le couvercle du bol. Donc je mets le couvercle. Je mets le varoma. Suivant. Donc on va envoyer à de la recette. Je vais me rapprocher. Si vous arrivez à voir, je envoie. C'est bon. J'appuie une fois pour pouvoir activer le frein. C'est bon, d'abord, il est à marche. Et la recette d'yali, elle est à marche comme le frein. Deux plats en même temps. On a la purée pomme de terre, on a sauce tomate et viande hachée. Voilà l'avantage d'avoir un friend. Donc le Thermomix est le son d'yellow, donc la wassala. Donc je vais mettre moins de 50 grammes de beurre parce que j'ai modifié la recette. Donc je dois mettre noix de muscade,
Insérez la spatule par l'orifice du couvercle et pendant que le couteau est en marche, comme ça, vitesse simple. Réduire en purée avec de la spatule. Suivant, transvaser dans un récipient. Voilà. Je peux le garder dans mon bol. Donc je vais dresser mon plat. Et voilà notre plante. Maintenant, il y a un choix. Bonne santé.